Oui, bonjour à tous. Alors, avant de passer la parole à Sassa, j'aimerais vous demander de me contacter pour que nous puissions mettre en route des conversations sur YouTube où vous pouvez vous exprimer librement de choses qui peut-être vous agacent ou au contraire qui vous comblent. Voilà. Donc, vous me contactez sur philippebuffon.org. Bon, allez, la parole à Sassa. Allez, au revoir. Bonjour, Sassa. Alors, vous Bonjour êtes Philippe. franco-serbe, c'est ça? C'est ça. Et vous travaillez en France? C'est ça, je travaille en France, oui. Je suis auto-entrepreneur, ou en BTP. Ah, vous êtes auto-entrepreneur? Ah C'est ouais, ça. bien. Voilà. Je suis carreleur. Dites, hein? Carreleur. Carleur, ok. Et dites-moi, Sassa, qu'est-ce que vous pensez de la politique française actuellement? Eh bien, je trouve que notre président Macron, est irresponsable. Je n'ai jamais vu un président aussi irresponsable que Emmanuel Macron. En gros, à demi-mot, c'est dire son élocution face à la Russie, c'est de la provocation. Nous ne sommes pas en guerre contre les Russes. Les Russes n'en veulent pas à la France. Au contraire, d'ailleurs, la France a toujours été, même le peuple français a toujours été bien vu en Russie. La culture française a toujours été appréciée. L'histoire de France, ses châteaux, ses rois, voilà. Mais ici, on nous dit le contraire. Et Macron, quand j'entends la réunion à Prague, je pense que oui, je crois que c'était à Prague qu'il était, qui dit que la guerre est de nouveau sur notre territoire et que nous ne laisserons pas la Russie gagner. Quoi qu'il en soit, que le prix, enfin, voilà quoi, je veux D'engager dire, les troupes françaises c'est ça. Contre en les, je veux Ukraine. dire, c'est irresponsable. Voilà, je comprends pas comment Emmanuel Macron peut dire tenir de tels propos. Oui, nous le pensons tous. Je crois C'est une que là. déclaration, en quelque sorte, c'est comme si c'était une déclaration de guerre à la Russie, à demi-mot. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prendrais, hein, si je serais russe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, on envoie des armes pour tuer les Russes. Voilà, on s'en mêle encore d'un conflit qui n'est pas le nôtre. Les Américains, voilà, regardez, c'est toujours pareil, hein, tout ça, c'est, de toute façon, ça va, c'est les intérêts, tout ça, ça va à l'encontre. C'est plus à notre échelle. Moi, je pense qu'il y a énormément d'intérêts géopolitiques, stratégiques qui sont bien au-dessus de ce que l'on peut nous faire croire, quoi. Et alors, vous allez souvent en Serbie? Oui, j'y vais chaque année. Donc voilà, j'y vais chaque année en vacances, hein, l'été. J'ai ma famille encore là-bas, hein, donc. Voilà, quoi, j'ai ma maison à Belgrade et ouais, Ben chaque oui. été, voilà, ouais, j'y vais. Oui, que j'ai eu en héritage, hein, bien sûr. Et Voilà. qu'est-ce qu'on pense de la France en Serbie? Eh bien, ils sont très déçus, les Serbes, que la France réagisse comme ça face à la Russie. Et aussi par rapport à, vous savez, ce problème qui est le Kosovo, hein, c'est un problème qui est toujours d'actualité, hein. Vous allumez la télé aujourd'hui en Serbie, c'est comme si on était encore en 1999, quoi. C'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours le Kosovo, le Kosovo. Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Et voilà, on nous met la pression, on nous met la pression aussi pour pouvoir mettre des sanctions à la Russie. Il faut faire bonne figure avec l'Europe et aussi on ne peut pas, vous voyez, faire mauvaise figure face à nos frères russes. Et donc c'est compliqué, quoi. La Serbie est un petit pays, Philippe, vous voyez. Mais et les Serbes n'ont pas oublié les bombardements de Belgrade, je suppose. Exactement. Non, ça, jamais. Vous savez, ils ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. En plus. Ils ont l'OTAN a énormément bombardé avec des bombes, vous savez, uranium appauvri, là, ce qui est très radioactif et ce qui a causé énormément, énormément de cancers depuis les bombardements. C'est bien. Ah oui.
Et Malheureusement. dites-moi, alors, en Serbie actuellement, est-ce qu'il y a des volontaires qui partent en Serbie, en Ukraine, en Alors oui, Serbie? il y en a beaucoup, beaucoup. Je veux dire, il y a mon cousin qui est à Donetsk, qui est d'ailleurs officier dans l'armée serbe et qui est là-bas officieusement, je dirais, à entraîner donc si vous voulez, la population locale qui se bat et qui forme donc des groupes on va pas dire paramilitaires, mais des groupes armés qui appartiennent ensuite avec qui sont, comment dirais-je, en contact direct avec le corps de l'armée russe. D'accord. Ce sont des groupes locaux, voilà. Et il y est Et... depuis 2014. Ah oui, d'accord. Oui. Et dites-moi, il y a beaucoup de Serbes qui partent comme ça? Énormément, ouais, énormément. Il y a énormément de Serbes, il y a tout un corps où c'est que ce sont des volontaires serbes. Qui est sur place et ouais, il y a énormément, énormément de Serbes, surtout de la République serbe de Bosnie. Ah oui. Ouais, Bien sûr, oui. surtout là-bas parce que, bon, vous savez, quand il y a eu la guerre, il y a les Russes qui sont venus aider les Serbes de Bosnie quand il y avait la guerre et les Serbes de Bosnie ne l'ont pas oublié, ça. Il y D'accord. a Et... beaucoup, beaucoup de Banja Luka, il y a beaucoup de Serbes de Banja Luka qui sont partis combattre en D'accord. Ukraine. Alors, je vois pas mal de... Je vois en particulier sur des chaînes comme Euronews, des reportages sur la Serbie disant, oui, le gouvernement a peut-être était élu d'une façon un peu bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas, Philippe. Par contre, ce que je pense, et ça, on le sait, c'est qu'il y a l'Europe qui a essayé de l'ingérence dans les élections locales, Oui. essayer de déstabiliser le pays. Ça, c'est clair et précis que c'est réel. Voilà. Et je pense pas que les élections aient été truquées. On est quand même en 2023, 2024, j'oublie. Et non, 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 je pense pas je pense pas qu'il y a eu des trucages. Après que des voix ont peut-être été achetées, ou voilà, que M. Vučić a peut-être donné des subventions, peut-être, mais je veux dire, voilà, des fraudes électorales. Moi, je ne pense pas, je ne crois pas à ça, Philippe. D'accord. OK. Et votre famille en Serbie, elle est où? À Belgrade. Donc, À moi, je suis Belgrade, de oui. Belgrade même. Voilà. Je suis de D'accord. Belgrade même. Et bon, bah, voilà, hein, je ne vous cache pas, c'est difficile, hein, pour eux. Hein. Les prix augmentent, tout est cher, les salaires sont bas. C'est pas facile, quoi. Et est-ce que le peuple serbe aimerait rentrer dans l'Union européenne? Parce qu'on en parle beaucoup de ça, non? Bonne question. Alors, je dirais oui et non. Alors, je dirais, la Serbie ne sait pas où elle va, donc. Parce qu'on a quand même cette fraternité russe et slave. Oui, alors on veut l'Europe et on ne veut pas l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on veut tout ce qui est les bons côtés de l'Europe et les mauvais côtés, ben, qu'on laisse de côté, D'accord. Donc c'est très partagé. quoi. Ouais, c'est partagé, je pense, oui. Mais après, c'est vrai que l'Europe, il y a quand même une mauvaise pensée assez négative de l'Occident et de l'Europe. Enfin, il y a des pays comme la Hongrie qui font de la résistance quand même. Bien sûr, Philippe. Mais bon, vous savez, la Serbie, c'est compliqué avec l'Europe qui met la pression, comme je vous dis, par rapport au Kosovo. Oui. Le Kosovo, vous savez, Philippe, c'est loin d'être réglé. Et comme les Serbes le disent, hein, ça ne va peut-être pas plaire ce que je dis, mais voilà, les Juifs ont attendu 1000 ans, plus de 1000 ans pour faire de Jérusalem leur capitale. S'il faut attendre 1000 ans pour récupérer le Kosovo, ils attendront 1000 ans, mais aucun Serbe n'abandonnera le Kosovo, Philippe. Et dites-moi ça, qu'est-ce que vous pensez de Gaza? Mais comme vous voyez, comme on peut voir à la télévision, je pense que ce qui se passe à Gaza, c'est très grave.
Je pense que c'est la population, vous voyez, qui est frappée quand on voit les enfants, les milliers d'enfants, de femmes qui sont sous les décombres et qu'on voit Israël frapper aussi fort. Je pense que c'est disproportionné, quoi. Ouais. Et personne ne bronche ici, c'est curieux. Hein. Personne, personne, vous voyez. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Voilà, je comprends pas pourquoi on ne punit pas Israël. Et Israël, d'ailleurs, ne respecte aucune convention de l'ONU et s'en contrefiche, quoi. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Complètement. Non, non, complètement. Ça, je suis pas Assez d'accord. étrange. C'est clair. Bon, bah écoute, écoutez, Sacha, je vous remercie pour votre interview. Avec Et puis à plaisir. bientôt. Et À j'arrête. bientôt.